الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه: فائدة، أو قال وقال القونوي النسفي في القلائد شرح العقيدة الطحاوية: ما نصه؟ والفرق بين النبي والرسول أن الرسول من بعثه الله تعالى إلى قوم وأنزل عليه كتاب، أو لم ينزل لكن أمره بحكم لم يكن ذلك الحكم في دين الرسول الذي كان قبله. القونوي il a fait un commentaire sur العقيدة الطحاوية. القونوي a dit dans le livre Al-Qalaid l'explication de العقيدة الطحاوية que la différence entre un prophète non messager et un prophète messager, c'est que le prophète messager est envoyé par Dieu Azzawajal pour une communauté et il lui a fait révéler un livre. Ou il n'a pas fait descendre un livre, mais il lui a ordonné un jugement qui n'était pas dans les lois du prophète messager avant. من لم ينزل عليه كتاب ولم يأمره بحكم جديد بل أمره بأن يدعو الناس إلى دين الرسول الذي كان قبله. Et un prophète non messager, c'est un prophète qui n'a pas reçu un livre et il n'a pas eu des nouvelles lois, mais il était envoyé pour transmettre aux gens les lois du prophète messager avant. هذا هو أصح الأقوال. Ça c'est le plus fort dans les avis entre la différence entre un prophète messager et un prophète non messager. فائدة. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. الآية، فالله تعالى قال أرسلنا، ثم في الآية من رسول ولا نبي. إطلاق الإرسال على النبي والرسول يصح، ويكفي هذا دليلا على أن النبي يبلغ. alors Donc, on regarde dans l'ayah, dans Surah Al-Hajj 52, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا. وَمَا أَرْسَلْنَا، c'est-à-dire à chaque fois qu'on a envoyé un messager ou un prophète, que lorsqu'il appelle sa communauté, القيت الشيطان في أمنيته، الشيطان essaie d'ajouter la suite de l'ayah. Mais Allah a dit: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ألقى الشيطان في أمنيته. Le mot أرسلنا، ça veut dire Allah Ta'ala a envoyé le messager, il a envoyé le prophète. Et s'il l'a envoyé, c'est pour qu'il transmette. Pourquoi il est envoyé? لما يرسل النبي؟ للتبليغ وإلا لما أرسل؟ Pourquoi il a été envoyé? C'est pour transmettre. فالنبي يبلغ والرسول يبلغ. Le prophète transmet aux gens et le prophète messager transmet aussi. فإذا ce qu'ils ont dit certains qu'un prophète il reçoit une loi mais il n'a pas eu l'ordre de transmettre, c'est pas juste. Et est-ce qu'il va être un prophète que pour lui-même؟ يعني هل يكون النبي نبيا لنفسه فقط لا يؤمر بالتبليغ؟ ما هذا؟ ثم لا معنى للإرسال بدون الأمر بالتبليغ. Qu'est-ce qu'on peut comprendre du mot envoyé s'il n'a pas eu l'ordre de transmettre? Le prophète messager doit transmettre, le prophète non messager doit transmettre. Mais le prophète messager, il a reçu des nouvelles lois, et le prophète non messager, il reçoit les lois du prophète messager avant lui. Comme les prophètes qui sont venus entre Moïse et Jésus, tous ces prophètes ont eu les lois révélées à Moïse, les lois qui sont dans la Torah. Alors on dit c'est des prophètes. Tandis que Jésus lui-même, il a reçu l'évangile et il a abrogé certaines lois, alors c'est un prophète messager. إنما الفرق بينهما بما سوى ذلك الذي ذكره الإمام عبد القاهر بن طاهر التميمي الذي قال فيه ابن حجر الهيتمي الإمام الكبير إمام أصحابنا وهذا الذي كان عليه المتقدمون فلا عبرة بالرأي الذي ذكره بعض المتأخرين المخالف للنص.
On a dit la différence, comme on vient de dire, messager, un prophète messager, il reçoit des nouvelles lois ou il abroge certaines lois avant. Un prophète non messager, il n'abroge rien, il n'a pas reçu des nouvelles lois, mais il transmet aux gens les lois du prophète messager avant lui. بيان تبرئة يوسف عليه السلام من الهم بالفاحشة. C'est un sujet, un nouveau sujet, dans le sens de pour dire que les prophètes sont immunisés contre les bassesses. Les prophètes sont immunisés contre les bassesses. الأنبياء محفوظون معصومون من كل رذيلة من كل الرذائل. ويوسف عليه السلام لم يهم بالزنا. Et يوسف, le prophète Joseph, n'a pas cherché à faire la fornication. Il n'a pas fait et il n'a pas cherché à faire non plus. اعلم أن الأنبياء عليهم السلام تجب لهم العصمة من الكفر ومن المعصية الكبيرة والصغائر التي فيها غصة ودنا. Sache que les prophètes sont immunisés contre la mécréance avant la prophétie et après. Ils sont immunisés contre les grands péchés avant et après la prophétie. Et ils sont immunisés contre tout péché qui reflète une bassesse de caractère. Toute chose qui n'est pas digne d'un prophète n'advient pas à un prophète. Les prophètes sont immunisés de cela. أما وصف القرآن ليوسف عليه السلام بالهم فليس فيه على ليس معناه الهم بالفاحشة والمقرر عند العلماء أن ظاهر الآية إذا كان يحتمل وجوها من التفسير منها ما يوافق الحق ومنها ما يحمل على المعنى الذي ليس فيه محظور ولا يبطل نقل ولا عقل. Alors ce qui était dit au sujet de يوسف dans sourate يوسف dans le Coran الكريم وهمت به وهم بها همت به elle a cherché la fornication وهم بها il a cherché à la pousser وهم بها أو يكون إيش مقيد وهم بها لولا أن رأى برهان ربه إذن هو ما هم لأن الله أراه البرهان وهو العصمة وهم بها لولا أن رأى برهان ربه tu vois c'est-à-dire s'il n'y avait pas l'humilité, s'il n'était pas un prophète, il allait encore lui-même chercher à faire la fornication, mais Allah Ta'ala l'a préservé par la prophétie. Et lorsqu'on a une ayah et on dit voilà, la ayah elle peut avoir plusieurs significations et un ou deux significations ne convient pas ni au prophète ni, voilà l'apparence de certains sens n'est pas digne des prophètes. Alors, il faut l'apprendre selon le sens qui est digne. Est-ce qu'un prophète cherche à faire la fornication? Pas du tout. Alors, il ne faut pas dire que la femme de l'Aziz de l'Égypte a cherché à faire la fornication et lui, encore, il a cherché. Pas du tout. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé Youssef de la fornication et il l'a encore immunisé contre le fait de chercher. C'est quelque chose qui n'advient pas d'un prophète, ne provient pas d'un prophète. فإن سيدنا يوسف عليه السلام فليقول نقال فإن القول بأن يوسف عليه السلام هم بالزنا بامرأة العزيز يعني قصد وعزم على ذلك كفر بالله العظيم. Le fait de dire que Youssef, Joseph a fait l'intention de faire la fornication avec la femme, alors ça c'est de la mécréance. Parce que ça c'est une insulte et un mépris et un dédain envers les prophètes. C'est quelque chose que la raison n'accepte pas et le Coran n'accepte pas. Déjà la raison, parce que Allah Ta'ala, nous on ne voit pas un prophète qui fait telle chose et que par la suite les gens allaient dire mais toi tu faisais ça maintenant tu nous interdis de faire et comment les gens ils vont lui critiquer, ils lui ont dit toi tu faisais ça et maintenant tu viens vers nous pour nous dire il ne faut pas faire et ça va être comme une insulte tu vois et Allah subhanahu wa ta'ala est sage, il ne donne pas la prophétie à quelqu'un qui a fait ou
qui fait une telle chose, parce que ça sera comme une insulte pour lui. Et Allah Ta'ala préserve la prophétie et les prophètes de tomber dans telle chose. Allah yahfaz anbiya'ahu qabla an-nubuwwah wa ba'daha min an yaq'una bi mithli hadhihi al-umur. هلا من النقل من القرآن هي امرأة العزيز بعد ذلك سيأتي معنا قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم يعني elle a cherché la fornication, elle s'est embellie, elle a fermé les portes, elle a dit je suis prête pour toi, elle a voulu qu'il vienne vers elle, tout ça. Et lui, il a refusé, il a cherché à aller vers la porte, elle a déchiré la chemise de derrière. C'est pas seulement ça. Mais elle, après des années, lorsqu'on l'a convoquée pour dire, elle a dit oui, c'est moi qui a cherché, c'est moi qui a cherché à le séduire, c'est moi qui l'a tenté de faire quelque chose avec lui. Mais lui, il a refusé catégoriquement. Il a refusé d'une manière ferme. Parce qu'elle a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, qu'elle a dit, fasta'asam. Fasta'asam ay aba iba'an shadidan. Fasta'asam, yani, il a refusé d'une manière très forte, très ferme. Alors, si on dit lui, il voulait chercher encore la fornication, il a enlevé ses habits. On dit il a refusé catégoriquement. Non. Al-Iba, لو كان هو أيضا أراد الزنا وحل ثيابه هل هذا يصح مع قولها فاستعصم يعني أبى إباء شديدا؟ فإذا كان الأمر كذلك يحمل الهم إما على أنه هم بدفعها عنه وإما على أنه لم يحصل منه هم البتة لأنه بيكون إيش مقيد لولا أن رأى برهان ربي وهو وهم بها لولا يعني هذا اسم الشرط مقيد لولا أن رأى برهان ربه لهم وهو رأى البرهان إذن ما هم. Alors il y a deux interprétations qui sont acceptées pour l'aya. Un, qu'elle a voulu le prendre vers elle pour avoir avec lui le haram. Et lui, il a voulu la pousser. Et après, il s'est rappelé que si je la pousse, tout ça, peut-être il y aura un trace ou quelque chose. Elle va dire aux gens, c'est moi qui a cherché. Et c'est pour cela qu'il a laissé et il a cherché la porte. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième, وهم بها لولا أن رأى برهان ربه, c'est-à-dire s'il n'a pas vu, s'il n'a pas eu l'immunité de la part de Dieu, il allait chercher la fornication. Mais comme Allah Ta'ala l'a immunisé, lui a montré al-Burhan à Youssef que ça ne convient pas à toi de faire cela, alors il allait tomber. Si c'est un être humain normal, il allait chercher, mais lui n'est pas comme ça. فنقول وبالله التوفيق قوله تعالى وراودته أي طلبت امرأة العزيز واسمها زليخة. La femme de trésorier de l'Égypte a cherché, a demandé Youssef d'aller vers elle. وكان يوسف في بيتها لأنه يعني نشأ في بيتهم. Il a grandi dans cette maison. وطلبت منه أن يواقعها. Il a demandé à lui de venir dormir avec elle. فأبى ورفض. يوسف a refusé. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Elle a fermé les portes. Et elle lui a dit, je suis prête pour toi. هلمّ وأقبل وتعال. Viens, je suis prête pour toi. فرد عليها سيدنا يوسف عليه السلام معاذ الله معاذ الله اي اعوذ بالله واعتصم بالله je me refuge à Dieu, je demande la protection de Dieu. Non. قاله انكارا لما طلبت منه انه ربي احسن مثواي هذا فيه وجهان. Il a demandé la protection de Dieu contre ce qu'elle a demandé. فقوله انه ربي اي على صورة السيد هذا العزيز هذا احسن الي فكيف انا أخونه مع امرأته mon maître qui est là, parce que Youssef il est un homme libre, mais comme ils l'ont acheté de ses frères dans la caravane ainsi de suite, il est dans l'aspect d'un esclave, mais en réalité il n'est pas un esclave.
il a dit non, c'est-à-dire il est dans l'aspect de mon maître, Al-Aziz, et il était un homme de bien. Comment je veux le trahir avec son épouse, avec sa femme? أي هو الذي اشتراني وأحسن مثواي أحسن منزلتي أكرمني تمنني فأنا لا أخونه. Il m'a honoré, il m'a mis chez lui, il m'a pris soin de moi, alors moi je ne le trahis pas. الثاني إنه أي ربي يعود على الله تعالى. إنه هكذا قال أبو حيان والزجاج. إنه c'est-à-dire mon Seigneur, mon Créateur et qui m'a créé. Et qui m'a préservé dans toute cette longue durée depuis que j'étais sauvé du puits lorsqu'ils l'ont jeté là-bas. Et il ne réussit pas celui qui est injuste. C'est-à-dire, moi je ne fais pas ça parce que celui qui fait ça, qui trahit son maître avec sa femme, avec celui qui lui a été bienfaisant avec lui, il le trahit, alors il est injuste et ces gens-là ne trouvent pas la réussite. قال أبو حيان الأندلسي في النهر الماد وما أحسن هذا التنصل من الوقوع في السوء استعاذ أولا بالله الذي يده العصمة وملكوت كل شيء ثم نبه على أن إحسان الله إليه لا يناسب أن يجازي بالسوء أن يجازي هو يعني أن يفعل السوء ثم نفى الفلاح عن الظالمين وهو الظفر والفوز بالبغية فلا يناسب أن أكون ظالما أضع الشيء غير موضع إلى دي أبو حيان الأندلسي. Dans le livre Nahr al-Mad, on a le tafsir Nahr al-Mad. Et il a dit, comme la manière que Youssouf a parlé, comme c'est beau. Tout d'abord, il a demandé la protection de Dieu contre tel acte et telle chose. Après, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala qui était bienfaisant envers moi, alors il a pris soin de moi. Comment je fais un tel acte? Comment c'est-à-dire celui qui m'a fait du bien, comment je désobéis à lui et je fais un tel acte abominable. Et par la suite, il a dit, les injustes n'arrivent pas à la réussite et un tel acte, c'est de l'injustice et moi, je ne veux pas être comme eux, je ne veux pas être parmi les injustes. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ أَيْ قَصَدَتْ وَأَرَادَتْ وَعَزَمَتْ إِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ عَلَى الْمَعْصِيِ. Elle a cherché la fornication. Elle avait la ferme intention de commettre avec lui le péché. Il voulait avoir avec lui un rapport intime d'une manière illicite et interdite. وَأَمَّا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ فَقُلْنَا يعني قلنا تفسيرين هم بدفعها أو لولا أن رأى البرهان لهم وهو رأى البرهان إذا ما حصل منه هم بالمرة بالزنا فأحسن ما قيل في تفسيرها إن جواب لولا محذوف يدل عليه ما قبله أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها La meilleure explication, la meilleure chose qui a été dite à ce sujet, que la réponse Laoula, et il n'est pas cité, mais il est au début de l'aya. Il a cherché, s'il n'a pas vu la preuve de la part de Dieu Azza wa Jal. Et lui, il a vu la preuve de la part de Dieu, alors il n'a pas cherché la fornication du tout. Wa qala ba'd al-mufassirin. إن معنى وهم بها أي هم بضعفها certains دفعها certains ont dit هم بها c'est-à-dire il a voulu la pousser mais l'autre explication est meilleure que s'il n'a pas vu la preuve de la part de Dieu il allait et la preuve ici c'est l'immunité que Allah Ta'ala préserve les prophètes de tomber dans la fornication ou dans le fait de chercher à faire l'intention tous deux les prophètes ne font pas ça ils sont immunisés contre ça الله علمه البرهان أنك يا يوسف لو دفعتها لقالت لزوجها
دفعني ليجبرني على الفاحشة فلم يدفعها، بل أدار لها ظهره ذاهبا فشقت قميصه من خلف. البرهان c'est que encore que si ô Youssouf si tu la pousses la, les gens allaient dire ou elle va dire à son mari que c'est toi qui as cherché et que elle a refusé et toi tu l'as poussé pour être au-dessus d'elle. Alors il n'a pas donné cette occasion, elle n'a pas donné cet argument, parce que si lui il allait la pousser et sortir, elle va dire c'est lui, il m'a poussé, il y a regardé les traces. Et c'est pour cela il a tourné le dos et il a cherché la porte, et là il a déchiré la chemise, son chemise du derrière, et c'était un autre argument en sa faveur, que s'il cherchait lui, il allait déchirer du devant. Mais si la chemise est déchirée de derrière, ça veut dire c'est elle et lui est innocent. فلما قضت يعني مزقت قميصه من خلف كان دليل له عليها أن هي التي أرادت، وإلا لو كان هو الذي أراد إذن قميصه سيكون تمزق من الأمام وليس من الخلف. ثم قلنا إن بعدما قال يوسف لما أراد الملك أن يخرجه أراده أن يظهر براءته قبل أن يخرج من السجن. Lorsque le roi a voulu faire sortir Youssouf après 7 ans du prison, Youssouf a voulu prouver tout d'abord qu'il est innocent avant de sortir, et il a dit poser la question aux femmes pourquoi ils ont coupé leurs doigts, et elle a dit الآن حصحص الحق أنا راودت عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Elle a dit c'est moi qui ai cherché à avoir une relation avec eux d'une manière illicite, et lui il est véridique, c'est-à-dire il n'a pas cherché, il n'a pas accepté. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.